Yes! Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Dark Evil et attention, attention, le moment est tant attendu, 25 caisses à ouvrir, 25! Au départ, je partais sur 10 caisses et j'ai demandé à mes viewers et, enfin, des gens aussi qui étaient sur Twitter, j'ai demandé quand même qu'on me file un coup de main, j'ai réussi à en farmer que 7 au total, ce qui est déjà pas mal, hein. Remerciements, donc il y a Nitrose, donc Nitrose ou Nitrose, voilà, qui m'en a filé, donc merci beaucoup, il m'en a filé une. On a également Martis qui m'en a filé deux, hein, qui en a farmé 2-3 et il est revenu pour me les passer. Exceptionnellement, Chat Canard, donc YouTuber qui a fait un mod que j'ai présenté, le Fantabomb mod, c'est lui qui l'avait fait, il est venu et il m'a balancé 10 caisses, donc grosse mention spéciale à l'aide d'un de ses viewers qui s'appelle PêcheFR, je crois, c'est PêcheFR, hein, si je dis pas le connerie. Donc voilà, merci à vous deux parce que vous m'avez balancé 10 caisses, donc de la folie. On a eu également Grivalgar qui m'a passé donc une caisse et au dernier moment il m'en manquait 24 et je dis 24 c'est nul putain, bah boum, il m'en a ressorti une là juste avant que je tourne cette vidéo, donc ça m'en fait 25, donc merci Grivalgar, il s'est donné à fond pour me donner la dernière caisse. Moi aussi je farmais mais pas réussi, en 10 heures de jeu j'y arrivais pas. Et enfin Pokipro FR ou Pokipro tout simplement, j'ai dit FR, j'ai rajouté des FR partout mais c'est n'importe quoi. Voilà, donc ça nous fait 25 caisses à ouvrir, je peux vous dire que la joie est à son comble. On est parti, vous allez voir, donc 25 caisses, donc j'ai plus de caisses champion 1 hein, bien sûr que le reste hein. Et bien entendu les clés, donc j'en ai 28 je crois, bon, j'ai dû en acheter plus du coup, mais bon c'est pas grave pour les prochaines. Donc j'ai hâte, on a eu une seule caisse depuis, je me suis retenu, je n'ai rien touché depuis. Je n'ai rien touché pour pouvoir attendre ce moment de cette vidéo fatidique incroyable. Attention, c'est parti. Alors, caisse de champion numéro 1. Attention. Donc, dans le numéro 1, ce qui m'intéresse, moi, clairement. Alors, Trinity, Dominus GT, j'avoue. Hein, et puis, si on peut avoir les roues et les écailles et ça. En fait, je veux tout le contenu de la caisse, hein, tout ce qui est au-dessus de ça, là, ça me va. Je crois que ça me va. Alors, c'est parti. Utilisez touche. Oui, c'est parti. Attention. Qu'est-ce qu'on a? Le premier coup, la Dominus GT, mais j'en peux plus. C'est quoi cette chatte que j'ai, moi? Allez, bim. On a la Dominus GT. Voilà. Bon, voilà, je demande, j'ai. Moi, premier truc. Premier loot. Équipé. Mais je me l'équipe, moi, c'est bon. Nickel. Premier truc. Je chope mon Mystery Decal, enfin mon Black Market. Deuxième truc, Dominus GT. Voilà. Bon. Bah écoutez, les gars, hein, on part sur ça. Je sais qu'il y en a qui vont être dégoûtés. Mais juste avec ça, déjà, je suis content. Moi, c'est bon, j'avais cet objectif, c'était ma Dominus GT. Bon, par contre, j'ai 3 millions de caisses de championnat, donc forcément, il y en a, je sais pas. Je vais en avoir en double, je repasserai certaines. Oh! Dommage. C'est pas grave, je l'ai pas. Vice. Alors, qu'est-ce que c'est le Vice? D'accord. C'est un truc qui se met sur le breakout. Bon, je n'utilise pas souvent, donc bon, on verra. Allez, prochaine, c'est parti. Non, moi, ce qui m'intéresse... Oh, au pire, un petit Black Market, je vous avoue que... Un autre Black Market, je ne dis pas non, hein. Je serais plutôt plutôt bien hype. Anubis, non, combo, c'est la Takumi. Alors, qu'est-ce que c'est combo, Takumi? Il faut bien en faire un petit peu des classiques. Ah, c'est celle-là, d'accord, je l'avais vu, oui. Bon, ok. Bon, m'en sers pas non plus. C'est pas grave. Mais c'est pas grave, je l'ai pas. Alors, de toute façon, moi, au début, je suis content. Hein, j'avais rien. Donc, comme ça, hein, à partir de là, tout ce que je loot qui est différent, c'est cool. Hein. Moi, si je peux éviter les doubles et en faire le plus possible, ça me va très très bien. Oh. Anubis. Et c'est Anubis. Alors, rare animated décal. Ça se met sur quoi, ça? Ça se met sur la Takumi. D'accord. Oh, bah, c'est cool. Il y a une petite animation. D'accord, très bien. Nice. Ok. Allez, encore. On veut du rouge, on veut du violet, du rouge, du violet. Allez, c'est parti, on est chaud. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ah, un petit Black Market quand même, ce serait cool. Snake Skin ou Doc Matrix, c'est bien, très bien, parfait. Doc Matrix, allez. Alright, motherfucker. Nickel. Celle-là me fait bien kiffer en plus, je la voulais. C'est parfait, pour l'instant, on est très bien sur les caisses numéro 1. Trinity, le Trinity m'intéresserait pas mal aussi. J'aimerais bien le Trinity. J'avoue que ça, je suis bien pas mal intéressé aussi pour avoir le Trinity ou un Universal Mystery Decal. Ouh, c'était pas loin, Arcana, je ne l'ai pas. C'est pour la Dominus. Très bien. Un décal pour Dominus.
Alors qu'est-ce que ça donne sur Dominus? D'accord, bah écoute, c'est sympathique. On va se le garder, mais c'est vrai que maintenant que j'ai un black market, je vous avoue que c'est très dur de se débarrasser et de prendre juste un stickers classique. Je n'arriverai plus jamais à revenir dans la normalité de la chose. Alors attention, suivant, photon, Takumi, et non, mon premier double sur la Dominus. Voilà. Je redonnerai aux intéressés, bien entendu, vous qui voyez cette vidéo, ceux qui m'ont aidé, hein. Merci encore à vous quand même, parce que j'aurais jamais pu faire cette vidéo sans vous. Donc, merci à la communauté Twitter, notamment, à ceux qui me suivent sur Twitter, hein, n'hésitez pas à me follow, si jamais, parce que souvent, hein, je balance quand même ce que je fais, etc. Ce que je dis, c'est pour mes petits projets, mes trucs, si vous voulez suivre, hein, c'est toujours sur mon Twitter que ça se passe, vous l'avez dans la description, n'hésitez pas à follow. Alors, Shibuya, et voilà. Alors, je sais que quelqu'un m'a fait un don, et ceux qui m'avaient donné, enfin, pas un don, mais ceux qui m'ont donné la caisse m'ont dit, ouais, je veux une Dominus, et ben voilà, j'en ai deux, donc je pourrais vous en passer une. Ah, vaut le coup. Enfin, je pense qu'on peut se le passer, je sais pas comment ça marche, mais je crois que le châssis, je peux le donner. Donc voilà, je pourrais vous donner un châssis Dominus. Quelqu'un m'avait dit, ouais, je la veux, je lui ai dit, bah écoute, si je l'ai en double, je te le passe, bah voilà, je tiendrai promesse. Oui, et oui, je voulais les écailles également. C'est parfait. Belles petites écailles, nickel, on est en train de tout enchaîner, c'est hyper génial, trop top de la mort qui tue. Il nous reste 8 caisses encore, le suspense est à son comble, mais peut-être allons-nous donc du coup commencer à utiliser les caisses numéro 2, puisque nous en avons 8 aussi, il y en a des pas mal. Et ben, je vais pas trop regarder les aperçus, on va lancer tout de suite, hein, en caisse numéro 2 pour l'instant. En numéro 2, moi, ce que j'ai eu, c'était Black Market, j'arrive plus à le prononcer. Snake Skin, Warlock, on l'avait pas. Voilà, sur le Merc. Ah, c'est sur le Merc, ouais, bon, je joue jamais le Merc. Ah, il est joli, mais effectivement, c'est un Warlock et je m'en fous complètement. Oui, je vais encore dépenser des clés, oui, je veux dépenser beaucoup de clés, beaucoup de choses. Alors, attention. Eh bien, un petit skill de X-Devil MK2. Allons-y, on n'est pas fâché. On n'est absolument pas fâché. Elle est très belle, elle est très bien. Je ne joue jamais cette voiture. On est d'accord. Mais, et voilà, c'est fait. Allez, on est reparti encore une fois. Oui, on est encore reparti. Let's go. On va avoir... Le Pixel Fire, c'est trop... Ah, j'aimerais bien le Pixel Fire, je vous avoue. Oh, c'est dommage. Narwhal, je ne l'ai pas. C'est pour le Merc. Bon, m'intéresse pas. Mieux, plus de trucs. Pixel Fire aussi, le Pixel Fire peut être trop cool. Un item du Black Market, allez. Ouf, j'ai vu plein de bonnes choses. Et le Pixel Fire, ou l'Universal. Bon, bah, j'aurais pas le... J'ai le Pixel Fire, je le voulais, je l'ai. Yes. Ouais, je t'équipe, moi, je suis comme ça. Allez, encore une fois. Allez, c'est reparti. Oh, j'en peux plus de ce truc. Ah, c'est bien, les bonnes, enfin, déjà, je suis pas trop déçu, quoi. Je suis pas trop déçu. Le Snake Skin, voilà, bah, ceux qui voulaient du Snake Skin, en tout cas, pareil, je l'ai en double, donc pour ceux qui m'ont passé les boîtes, si vous êtes intéressés à regarder cette vidéo, vous faites vos courses avec moi en même temps. Ça va vite en vrai, hein. On arrive déjà bientôt à la fin, hein, putain. Ça va super vite. Ah, une petite lobo, voilà, je voulais des roues, ça tombe bien. Des exotiques, j'en avais pas encore. Super. Une petite roue. Ah, mais ça devient swag là. Allez, on s'équipe de tout là, c'est pas mal, hein. Pas mal. Allez, utiliser une touche, allez, encore une. On s'en refait encore une, après on repart sur les championnes une. Ouais, le Black Market a l'air dur à avoir. En fait, j'ai eu vachement de chance de l'avoir en début. Hein. Pas de regret. Parce que clairement, c'est quand même compliqué. Le polygonal. Voilà, une autre traînée en polygonal. Elle me plaît pas, enfin... Voilà, le polygonal est assez basique. En fait, j'étais assez ouf, mais en fait... c'est pas si ouf que ça. Ah, ça va. Allez, les caisses de champion 1. Attention. C'est parti. On veut. Alors, je sais plus ce que je veux sur la 1. Des roues. Des roues, le Trinity. Ouais, le Trinity aussi. Des roues. Les chakrams. Yes. Les chakrams, très bien. Ça donne quoi, les chakrams?
D'accord. Ok, très bien. Bon, bah, ok. D'ailleurs, il te les montre en rose, mais en fait, tu les as... Oui, c'est... Bah, ok, ok. Why not? Bon, c'est pas exceptionnel. C'est pas grave, c'est bien. Bien, on peut s'estimer heureux, on a quand même récupéré beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Très peu de doubles, au final, hein. Et les seuls doubles que j'ai eus... bon, il y a eu deux doubles, quand même, qui sont rares, donc... pas de soucis. Shibuya, je ne l'ai pas. Le Shibuya, je ne l'ai pas. Très bien. Shibuya est sympa, je crois. Je sais plus ce que ça donne. Ouais, ça va. Bon, c'est le breakout. Breakout, il nous reste 6 caisses, donc 7 tirées, attention. Aïe. Qu'est-ce que je veux? Moi, je veux... Je ne sais plus. Je veux du lourd, je veux du rare. Oh là, cette caisse-là était pas bonne. Elle était pas bonne, on la sentait pas, celle-là. Elle était pas bien, celle-là. Allez, on y retourne. Je veux du black market. J'invoque la magie du black market. Récupère le black market. Allez. Dot Matrix. Eh ben, Dot Matrix. Dot Matrix, c'était celle-là. Donc, je l'avais déjà, donc ça nous fait un petit double. Mais un double de bonne qualité, je pourrais encore le rendre à ceux qui m'en ont donné. Parce que c'est quand même sympa, c'est quand même sympa. Moi le but c'était surtout de les ouvrir pour avoir la surprise et tout. Et le Snake Skin, bon bah vous allez te gaver en Snake Skin, hein, putain. Snake Skin, t'inquiète, hein, tout va bien. Le Snake Skin, j'en ai plein, ok très bien. Ça pop du Snake Skin à donf. Hop. Je veux le Trinity, putain, c'est Trinity que j'ai pas eu, c'est vrai que le Trinity, c'est petit, mon petit regret, c'est peut-être le Trinity. Et un petit Black Market aurait été cool aussi. Oh ! Enculé. Enculé. Non, bah, enculé. Un autre double qui ne m'intéresse pas, putain, celui qui était juste avant, là. Celui qui était juste avant, j'étais comme ça. Putain. Le Black Market qui m'échappe à quelques centimètres, mais pourquoi? Pourquoi ça? Yes! Et c'est celui que je voulais! C'est le labyrinthe, oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh je m'aime! Oh je m'aime! C'est ce unboxing, mais. Mais. Merci! J'ai tout ce que je voulais! J'ai dit le labyrinthe, c'est celui que j'aime! Je suis tenté de parler du labyrinthe, mais j'aimerais bien le labyrinthe! Et bim, j'ai le labyrinthe! Voilà! Dominus GT! Labyrinthe! Mais voilà, mais c'est bon, cet opening est parfait. Cet opening est parfait. Franchement, il est parfait. Plus rien à dire, putain. Et ça nous fait deux Black Market déjà différentes. Franchement, c'est parfait. C'est parfait, c'est bon. Voilà, petit Takumi. Ah, Polo Caliente. Je crois que je l'ai pas, le Polo Caliente, j'ai pas vu. C'était sur quelle voiture, ça? C'était sur la Dominus. Eh ben non, je l'avais pas. Alors, sticker certifié. D'accord. Ah putain, c'est ouf. Et il nous reste une dernière caisse quand même. Une dernière. Bon, coûtait quand même 30 euros. Bon. J'avais intérêt à avoir des bons trucs, non mais... Non, c'est cool. Ah, quand même. Franchement. Weasel, je ne l'ai pas. On finit avec un petit Weasel, voilà. Beaucoup de variés, très peu de doubles. Franchement, pas de regret. Je sais plus si c'était varié ou pas. Mais voilà, on peut voir les filtres désormais. Oui, effectivement, oui, je... Alors, par contre, je pourrais les donner qu'au bout de 6 jours. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Ah, d'accord. Ah, j'en ai un spécial. Qu'est-ce que ça fait? Champions Series. Ah, parce que, en fait, une collection et ça montre ce que je possède, en fait. Ah. J'avais pas vu. D'accord, Breakout, Vice, Dominus, Next Skin. D'accord, ça montre les skins qu'on a. D'accord, Looper, Dominus GT, Chakra, très bien. Et pour les Black Market par contre, ouais, parce que là c'est une spéciale, mais what? Parce que le Libero, genre possibilité de chance, parce que c'est une spéciale mais je vois pas ce que ça fait, ça change quelque chose. Le Frimer aussi, c'est pareil, ça montre labyrinthe mon gars, mais le labyrinthe, comment elle est ultra grave stylée de la mort qui tue quoi. La labyrinthe, mais c'est oufissime quoi. C'est oufissime, putain, j'ai la Dominus GT. Alors après, on peut organiser l'inventaire, non, mais on peut personnaliser un petit peu la voiture pour voir un petit peu comment ça se passe. Ah d'accord, là par contre, il n'y a plus de choix, c'est vraiment, d'accord, une seule couleur. C'est une seule couleur, mais bon, c'est... Waouh, ah putain, ce côté néon là, c'est juste absolument magnifique, c'est beau. Oh, ça brille mon gars. Oh ouais, donc j'adore. Hein, au niveau des roues, les chakrams...
Alors les lobos clairement me plaisent. Champion série 2, d'accord. Il y a une collection, alors je sais pas d'où proviennent ces collections, comment ça fonctionne, mais ça pète le style. Ça pète le style sa race. Ah ouais, on a deux skins quand même ça, c'est beaucoup trop d'émotions quoi. La Dominus ZT, on voit qu'on en a deux, d'accord, très bien, Champion série 1. Absolument génial. Et on a quand même la X-Devil aussi, ça c'est cool. Oh là 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 là, je suis comblé mes amis. Et oui, effectivement, on a d'autres skins bien entendu. Alors celui-là est pas mal aussi. Hein. Celui-là est assez stylé pour la breakout, j'avoue. J'avoue, ça passe bien aussi. Donc le Merc qui a son taux de petit Warlock aussi. Ah ouais, il y a une animation sur le Warlock. Ah ouais, c'est stylé. Putain, c'est ouf. Ah non, non, je suis absolument comblé. Aïe, 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 aïe. Ah, retour. Et je me fais, vous savez quoi, je me fais un petit entraînement vite fait là pour voir un peu ce que ça donne sur le terrain. Un petit entraînement en jeu libre, juste pour voir un petit peu rapidement ce que ça donne ma voiture. Elle est en blanc forcément, puisque je fais un entraînement. Et avec le Pixel Fire. C'est marrant le Pixel Fire. Ah, au final, moins détaillé, enfin au final, je pensais à mieux au final dans ce feu là. Mais franchement, ça pète le feu. Merci à tous encore d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, je vous remercie à donf et à 2000% parce que c'est unboxing, j'en suis complètement ravi, vraiment ultra ravi, c'était génial. Bon, donc je sors la vidéo très bientôt de toute façon, et, donc vous l'aurez. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures d'action, de fun et de folie, ciao.